Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un vlog spécial routine d'hiver. C'est parti! Donc les loulous sont arrivés dans leur pâture d'hiver, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, on les a ramenés avec Margot au mois de novembre il me semble. Et donc ils ont abri ouvert et puis pas mal d'arbres, ils sont vraiment bien dans cette pâture. Donc je commence toujours par vérifier l'eau. Donc ils ont deux bouteilles, en fait on récupère à l'aide d'une gouttière dans une cuve l'eau de pluie, comme ça nous permet d'avoir de l'eau juste sur place quoi, c'est super pratique pour le coup. Ensuite, bon là pour le coup j'ai vérifié la pierre à sel qui était encore tombée, alors je suis maudite avec la pierre à sel, dites-moi dans les commentaires si vous aussi la corde lâche à chaque fois. Mais bon, ensuite je vérifie les box et je récupère les filets à foin, donc on utilise des filets à foin pour mettre le foin. Ça les occupe, ils prennent moins de temps pour manger, et puis on a des arbres donc on peut les accrocher facilement aux arbres sans que ce soit trop dangereux. Ensuite l'hiver je peux faire de tout, ça ne me dérange absolument pas d'aller monter sous la pluie, dans le froid, peu importe, enfin, j'ai vraiment des poneys qui passent partout. Et puis voilà, donc là aujourd'hui on a fait une petite balade avec Margot, je leur ai aussi acheté un liquide que j'ai bien galéré à ouvrir, je suis maudite à chaque fois, je pète le plastique et j'arrive jamais. Du coup, je me suis armée de mes petits ciseaux, mais je suis pas sûre que ça a été vraiment utile. D'ailleurs, trèfle, c'est bien foutu de moi pour le coup. Voilà. J'ai dû passer au moins un quart d'heure avant de pouvoir ouvrir totalement mon liquide. J'avais que des petits morceaux qui me restaient dans les mains. J'avais vraiment la poisse, quoi. Mais bon, une fois installés, ils ont très vite compris le fonctionnement. De toute façon, ils connaissaient déjà. J'avais déjà le petit support. Je le remets un petit peu tous les ans. Ça leur fait bien plaisir, mais bon, ça dure jamais très très longtemps. Et ensuite on est parti avec Margot à cheval pour une petite balade tranquillou. Donc dans ma région c'est vrai qu'on a pas mal de chance parce qu'on a tous les terrains, on a de la plaine, du plat, on a un peu de forêt aussi, et donc il y a de quoi faire, surtout en hiver malgré la boue. Donc en rentrant je leur graisse les pieds assez souvent l'hiver parce que c'est vrai que vu qu'ils vivent dehors, c'est un peu plus compliqué de gérer les pieds. Et puis ensuite, je fais leur filet à foin pour la nuit. Donc on a une réserve de foin juste derrière le box, c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai toujours Trèfle qui est dans mes pattes, on peut le voir sur les vidéos. Il est toujours à côté de nous, en train de faire le fou. C'est vraiment la petite glu, quoi. Comme vous pouvez le voir sur mes stories Instagram, il est super collant comme poney. Donc j'installe les filets à foin au niveau des arbres et puis bah ils vont passer leur temps à manger ces filets à foin. Souvent on en cache quelques-uns, donc là ils en ont eu le matin donc je n'avais pas chargé les filets à foin comme une brute. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce vlog aura été assez sympa pour vous montrer un petit peu ma routine, mes petites choses que je fais souvent avec eux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou de nous suivre sur Instagram, ça fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, et je vous aime très très fort et je vous fais plein plein de bisous.